Ah, justement, là maintenant, toi, en connaissance de cause, c'est là qu'il faut faire plus de recherches, en connaissance de cause, pour voir si les deux se joignent, pour que, bon, peut-être qu'il y a certaines choses que je ne sais pas. Puis là, ah, ok, ça correspond à ce que moi, j'ai su. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y a certaines choses que tu dois voir en profondeur pour poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses. Là, maintenant, la vraie question que tu devrais poser, qui est-ce qui a causé notre perte? C'est quoi qui a causé notre perte? Bon, les chercheurs de Black Musicians parlent de ça déjà. Un, on a commencé à être en désaccord entre nous, entre les royaumes kémétiques et tout. Ça a commencé là. C'est là que les Blancs commençaient à prendre le pouvoir. Là. Mais ils n'avaient pas tout Kémet. Il y avait juste le Nord là. Mais Couché continuait à faire leur même rite traditionnel. Là. Donc, on a commencé à être en désaccord pour plusieurs X raisons. Puis là, les Blancs ont pu rentrer, se métisser avec nous. Et là, les Métis, eux autres, on sait déjà qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis là, celui-là est très critique. Comment on dit relevant en français? Relevant. Parce que toi, ce livre-là. Pertinent. Pertinent? Le plus pertinent, je pense? Ouais. Pertinent. Regarde, parce que toi, quand il parle la réalité des Métis, les Blancs ont fait la même chose avec les natifs au Canada. La majorité des natifs, là, comment ils ont perdu leur terre, c'est en se métissant avec le caucasien européen. Et ce sont les caucasiens arméniens, là, ou arabes, comme tu veux, arméniens qui ont commencé ça. Et les juifs caucasiens, c'est ça qu'ils font. Partout où ils se passent là, ils savent qu'ils ne vont pas manger tout de suite. Mais ici, dans 200 ans, 300 ans, leurs générations futures vont manger. Donc, ils préparent le terrain pour leurs enfants. Là, et puis là, quand on regarde bien au Brésil, on a le métissage encore. Quand on regarde Saint-Domingue, il y a plein de métis là, hein. Et tu vois comment ils sont perdus, hein. Métissage encore. Zaragoza. Oh! Bon, ça commence avec eux. Ils sont métissés. Alors ça veut dire qu'il y a eu un problème qui fait qu'on a chuté. Mm-hmm. Le gars de William. Chancellor William, par exemple. Lui, il dit comme ça, c'est quand on a commencé à se diviser entre nous. Et puis là, comme ça ne pourrait pas être mieux, l'erreur qu'on fait pour la première fois de l'histoire kémétique, l'histoire des couches, les rois ont commencé à marier les femmes blanches. Parce qu'au début, ils étaient tous ensemble, quand ils repoussaient les attaques de les invasions, les offensives de ces exos-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le mot exos est un terme générique qui veut dire qui est de terre étrangère. Donc, eux, ils parlaient de leur empire. Donc, quelqu'un pouvait venir, des Zoulous, c'était des Exos. Ceux qui venaient du royaume d'Aomir, ils les appelaient les Exos. Ça se référait à tout le monde. Mais les Exos en question venaient de l'Asie, les Caucasiens asiatiques, là. Ok? On veut le dire comme ça, c'est ça, les autres, les Exos. Donc, c'est eux qui faisaient des invasions offensives, puis ils arrivaient, puis ils avaient la peau d'animaux sur mon corps, là. La peau d'animaux, comme les hommes des cavernes, là, ils avaient encore la peau d'animaux sur eux autres. Et puis, voilà. Puis là, ils repoussaient ce qu'ils ont fait. Ils ont gardé les femmes avec eux, les femmes caucasiennes. Ils les ont mariées. Et là, quand tu te métisses, l'enfant, lui, là, dans son instinct, lui, qu'est-ce qu'il va faire, là? Tu sais, quand les gens disent, là, il faut être un juste milieu, en réalité, vraiment, demande aux métisses pour voir s'ils peuvent faire ça. Demande aux métisses. C'est drôle, il y en a qui disent que tant aussi longtemps que le blanchisme ou la suprématie blanche existera ou sera encore pratiqué, plutôt parce que c'est un concept, donc sera toujours pratiqué, il ne pourrait jamais avoir de mariage ou de métissage interculturel là. Là, je me répète quand je dis métissage, mais il ne pourrait jamais avoir de métissage entre caucasiens et ceux qui ne sont pas caucasiens. Mais moi, je suis en désaccord parce que dans les discussions de Black Civilization, la suprématie blanche n'existait pas à cette époque-là. Donc c'est le caucasien, c'est notre concept caucasien qui est comme ça. Lui, là, toi, il est là pour dominer. Il n'est pas là pour être en harmonie avec toi, la personne, lui, veut dominer. Alors maintenant, là, si on admet qu'on a fait une erreur dans le passé, là, l'erreur, c'était qu'on était commencé à se diviser. Alors c'est quoi la solution aujourd'hui? La solution, en regardant, c'est bon, arriver avec un point d'entente, un terrain d'entente. Ok, pour dire, ok, bon,
voilà les certaines choses, même si on ne sera pas d'accord sur tous les points, mais on est d'accord sur un point en commun. Alors, ça veut dire si on retourne avec nos traditions ancestrales, même en 2017, on va être encore divisé. Ben, quand on regarde, quand on étudie l'histoire ancestrale en tant que telle, les gens ne se battaient pas une histoire de croyance. Ils se battaient pareil. Oui, ils se battaient, c'est des choses qui arrivaient, mais ils réglaient leurs problèmes. Maintenant, la question, quand vous voyez le caucasien, maintenant vous connaissez qui est le caucasien, yo, mettez vos différences de côté, parce que même un caucasien, là, il ne s'aime pas. Si tu prends des juifs, là, ils se détestent, oui. Quand je dis qu'ils se détestent, là, c'est question, il ne faut pas que le tourne le dos parce qu'il peut le tuer. Quand je dis littéralement le tuer, mais ils sont d'accord pour dominer le monde. Quand ça vient à dominer, qu'est-ce qui n'est pas juif, ils sont d'accord avec ça. Exactement. Alors, mais nous, les Noirs, présentement, là, ça veut dire que même si on retourne dans nos traditions ancestrales, parce qu'il y avait plusieurs royaumes en Afrique, il y avait plusieurs traditions ancestrales en Afrique. Tout comme à Kemet, ils ont réussi, et ils ont réussi, tu vois, quand ils se sont mis ensemble, c'est pour ça qu'ils ont fait de leur force. Ils ont mis tout leur... Parce que n'oublie pas, apparemment, ça, il ne faut jamais m'informer, le Bénin était à 3000 alphabets. C'est juste qui est très difficile à apprendre, le Bénin était. Tu sais combien de ethnies africaines qu'il y avait dans l'Empire Kushite ou l'Empire Kémétique? Et beaucoup. C'est ça qui dit plusieurs langues différentes. Ils ont été capables de trouver une langue en commune. Alors, ça veut dire que quand ils sont capables, ils sont capables. Alors, c'est notre désunion qui fait que le blanc peut rentrer. Oui, alors, exactement. Si on ne trouve pas quelque chose pour s'unir, alors, même si on s'unit, si maintenant on est conscient qu'il y a un élément perturbateur, on est conscient qu'il y a un problème, alors même si on s'unit ancestralement pour le blanc, mais si le blanc n'existe plus, on va avoir des divisions. Mais regarde, parce que regarde bien avant que ça arrive là, ils étaient en union là. Bien avant que ça arrive, donc on n'oublie pas, il n'y a pas d'être humain qui est parfait sur la terre. Ça, il faut comprendre ça. L'être humain cherche toujours à régler son problème pour être bien. Avant qu'il commence à faire des tueries, il faut qu'il cherche son problème pour être bien. Il va chercher à faire le bien en premier. Instinctivement, c'est qu'on va dire, instinctivement, on va penser à ça. Parce que la religion abrahamique essaie de te dire l'homme est pécheur, donc il est mauvais de nature. Mais s'il est mauvais de nature, pourquoi je ferais confiance à toi si t'es mauvais de nature? Non, ça c'est des religions. Toi, déjà, ça n'a aucun sens. Si tu sais que de nature, tu peux être pécheur et dire mauvais. Alors, attends, même encore le bien et le mal, c'est l'être humain qui détermine ça. Voilà. Très souvent, comment tu sais pour avoir la connaissance du bien et du mal si tu as expérimenté? Voilà. Comme on dit tout le temps, tu t'aimerais pas faire aux tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui, donc moi, si tu sais qu'est-ce qui te fait mal, donc ne fais pas aux autres. Voilà. C'est comme ça que les gens commencent à se respecter en faisant ça. Et c'est une question de from what you said. Even though there was a disagreement amongst African tribe or whatnot, how did that disagreement let white people come in? I don't understand what you said. Well, is that... c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question que tu as posée. Comment on peut laisser les Blancs arriver malgré qu'il y ait les attaques, hein? Regarde, ancestralement, parce qu'on avait notre tradition ancestrale, on avait plusieurs royaumes. Mais le Blanc, lui, là, qui est notre ennemi commun, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Blanc n'est pas rentré comme ça en Afrique. Le Blanc est venu, il a étudié. Oui. Il a étudié notre tradition ancestrale. Il a étudié nos coutumes, nos mœurs, mais c'est pour ça qu'il nous a forcé à croire à leur religion, parce qu'il savait. Mais là, quand il a fini d'étudier, là, il a pu savoir comment rentrer. J'avais dit que maintenant, aujourd'hui, en 2017, même si on retourne dans notre tradition ancestrale, que le Blanc connaît déjà, le Blanc va quand même pouvoir continuer son travail de génocide, son travail de destruction. Mais n'oublie pas, les Africains n'ont pas toujours été en désaccord. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je veux dire. Les désaccords, il va toujours en arriver. Il va toujours en avoir, mais comme que je te dis en tant que tel, là, la question, ce qui est le plus important, c'est de savoir, OK, où est-ce qu'on a échoué. C'est ça qui est important, parce que l'important, là, c'est où est-ce qu'on a échoué, ne pas le répéter, pour que nos générations ne le répètent pas, mais où est-ce qu'on a réussi d'être meilleur. Et on a besoin de quelque chose de nouveau, parce que si on répète qu'est-ce qu'on avait dans le passé, que le Blanc connaît déjà, il va pouvoir rentrer compte. On a besoin d'une nouvelle chose pour que
que le blanc ne peut plus rentrer. Mm-hmm. Enfin, si on retourne dans le passé, on a encore les mêmes anciennes affaires que le blanc lui connaissait déjà. Ça, c'est une discussion que hommes et femmes du soleil devraient se mettre ensemble pour regarder. Puis, premièrement, il faut que les hommes là, reconnaissent leur rôle d'homme, puis les femmes reconnaissent leur rôle de femme. Ça, c'est une des premières choses. Un. Deux, moi, la psychologie est très importante. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un livre, la psychologie, que je dois aller regarder sur la psychologie, qui est très importante. Parce que là, tu vois, les gens, il y a du monde qui me connaît, vont me trouver redondant. Mais la religion abrahamique là, a un effet sur la psychologie. Là, pas positif, là, néfaste. La psychologie, notre psychologie. Et psychologiquement, vraiment. Peux-tu expliquer au moins quand tu dis religion abrahamique? Parce que peut-être demain, ça okay. Va le religion abrahamique, c'est pour ceux qui ont dit que le premier prophète est Abraham, on parle de la Torah, le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Ces trois religions-là reconnaissent comme Abraham comme le premier prophète. C'est pour ça qu'ils disent abrahamique. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, sur ce genre de choses-là, Il y en a qui ont peut-être dit, ah, je n'en parle pas de la religion, mais la religion a pour un rôle. Puis, même ceux qui n'y croient même pas, inclus en moi, il y a des choses que je dis, des fois, c'est une conception abrahamique parce que j'ai été exposé à ce virus-là trop longtemps. Tu vois, j'avais une conversation avec un gars comme ça, là, tout ce qu'on fait, même lorsqu'on n'y croit pas, même les Québécois qui n'y croient pas du tout, hein, des fois, quand tu parles de moralité, oh non, pas la religion. Tu vois, déjà qu'il y a une conception abrahamique, mais. Les moralités existaient avant que ces religions-là existent. Ça, c'est l'effet secondaire de... Oui, l'effet secondaire. C'est con à dire, quand le gars m'a dit ça, puis vraiment, c'est après que j'ai pensé à l'école, dans le temps, bien sûr, qui était colonisée par les Européens, par les chrétiens. Les écoles, c'était chrétien, pas vrai. Les garderies chrétiennes, c'est les chrétiens qui contrôlaient ça. La politique, c'est les chrétiens qui contrôlaient ça, pas vrai. Le système judiciaire, c'est les chrétiens, l'église qui contrôlait ça. Ouais. Et la même chose pour la mosquée. Je pense que jusqu'à maintenant, dans les pays musulmans, c'est toujours les mosquées qui contrôlent ça, non? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne serais pas étonné. Donc, vaut pas, quand tu dis que tu ne crois plus à ça, mais tu es dans leur système, même si des fois ils se retirent un peu, mais leur conception, leur mentalité est restée. Quand tu vas en cours, je jure devant la Bible. C'est là que vraiment, je dis, ok, oui, le gars a raison. Jusqu'à maintenant, là, on a encore une conception. Comment on voit la femme, tu sais, quand il dit la femme est le sexe faible, c'est une conception abrahamique qui vient avec ça, là. Comment, ok, on vit dans une société matriarcale, on ne pouvait pas dire que la femme est le sexe faible, impossible. Ce sont vraiment, et puis, pour ceux-là. Je veux t'expliquer au moins c'est quoi matriarcal. Matriarcal, ben justement, c'est quand c'est la femme okay, qui décide. Très souvent, dans le dictionnaire, ça dit dans les villages et dans les familles. Mais, quand on regarde, si on prend exemple Kemet, c'est les femmes qui choisissaient qui allait droit. Allez vérifier par vous-même. Mais est-ce que toute l'Afrique est matriarcale? Toute l'Afrique est matriarcale. Tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Matriarcale veut dire que c'est la femme qui dirige dans la famille. Oui, exactement. Par rapport à les enfants. Oui. Après un certain point, quand les. Comment ils s'appellent? Bon, si on me demande est-ce que c'était tous les hommes qui étaient d'accord, ça serait insensé de dire oui. Ça serait insensé. Parce qu'on s'entend, l'Afrique n'était pas parfait. Mais tu as bien dit matriarcal veut dire que c'est la femme qui dit. Qui dit? Dans la famille et dans les enfants. Mm-hmm. C'est comme si les femmes décidaient quel homme était pour le roi. Ouais. Mais le roi, lui, c'est lui qui a le dernier mot. Ben, parce que regarde, c'est lui qui a le dernier mot, n'oublie pas, parce que même des chercheurs de Black Civilization, ils le parlent, je pense, vers la page 60 et 80, où est-ce qu'il dit, ou Chester Williams qui dit ça, là, dans son livre, là. Où est-ce que, tu vois la conception, où est-ce qu'ils disent que les rois en Europe, c'est eux qui avaient le pouvoir, le peuple n'avait aucun mot à dire, la vraie démocratie a commencé en Afrique, où est-ce que le peuple pouvait aller se plaindre, puis là, pour s'assurer que le roi fasse bien leur travail, il y a ce qu'on a dit un mot R2, là, les aînés, parce qu'en s'entendant, ceux qui étaient vieux, là, c'était très important pour nous à l'époque.
C'est très important la prière. C'est une question de, on parle d'expérience, sagesse. Donc les affaires qu'on faisait, lui savait non, ne pas refaire le peut-être. C'est pour ça qu'aussi on peut avancer, parce qu'on parle des mêmes erreurs, tu vois. Ou est-ce que si le roi ne faisait pas bien son travail comme il faut, il pouvait être ciré. Donc le roi n'avait pas le pouvoir comme les gens pensent là. Non, il n'avait pas le pouvoir absolu. Il y a des choses qu'il faisait, il fallait qu'il y avait plein de conseils. Et s'il devait aller voyager, il devait demander l'accord dans le village ou dans le royaume où est-ce qu'il est. Puis demander l'accord aussi du royaume voisin où est-ce qu'il veut aller. Oui, c'est ça. Donc il devait avoir un consensus. Il y avait des conseils. C'est un jeu de l'armée. Mm-hmm. C'est un général, le mm-hmm. caporal. Mm-hmm. Oui, il n'y a rien de nouveau. Il peut voir exactement. Il n'y a rien de nouveau. Exactement. Donc, c'est une hiérarchie. Mais la femme, elle avait un gros rôle à jouer. Ah oui, très beau rôle. Très beau rôle. Où est-ce que maintenant, quand tu regardes maintenant, c'est pour ça qu'elle est féministe. Parce que ce que les gens doivent comprendre, je ne vais pas me déloigner du sujet, les blanches qui sont féministes là, surtout pour les femmes noires. Les femmes féministes, les blanches féministes là, eux autres, leur guerre c'est contre l'homme blanc, pas contre l'homme noir. Pour les femmes noires qui sont féministes là, dans le temps de l'esclavage, là, les blanches ne disaient rien. Non, mais quand l'homme blanc vous violait, faisait de quoi là, elle ne disait rien. C'est quand il a vu que l'homme blanc l'opprimait également, depuis dans les cavernes que l'homme blanc opprimait sa femme. Ok. Mais ça n'est même pas dernièrement que la femme est considérée comme quelqu'un qui a une âme. Oui, dernièrement. Ouais. C'est parce que là, ils ont commencé à se détacher de la religion abrahamique, là. Même le droit de vote. Oui. Mais oui. Tu vois, donc ça fait pas longtemps, là. C'est l'autre jour, là. Ok. Mon père est né en 1938, il avait peut-être 10 ans, là. Ok. 10, 11 ans. Donc, alors, quand on regarde, ça ne fait pas longtemps. Alors, les femmes noires, réveillez-vous, faites vos recherches, ok? Même parce que les blanches vous utilisent, même les blanches féministes vous utilisent, ok? Donc là, je dis que oui, on n'a pas été bon, on s'entend, on n'a pas été parfait, mais regarde là. Quand on regarde la tradition ancestrale, où est-ce que, regarde là, c'était pas vrai, qu'on était. Bon, est-ce qu'il y a des hommes qui frappaient, ou je serais con de dire que c'était le paradis sur terre, là? On s'entend, on va pas être stupide dans ce point-là. Est-ce qu'on doit revenir au matriarcalisme? Quand on regarde où est-ce qu'on a été, on a été à notre meilleur, oui. Ça, là, il faut en parler. Il faut en parler avec beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Il faut en parler. On ne peut pas juste parler entre nous, entre hommes. Il faut qu'on commence à ensemble, qu'on en parle. Selon ta définition, donc, redonnons le pouvoir aux femmes. Bien, bon. Si tu regardes, on fait la comparaison, on était mieux. Parce que là, on n'est pas mieux. Là, on est mieux maintenant qu'on va se mettre avant. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui ont les qualités des femmes d'antan? Là, c'est une bonne question, tu me demandes là. Et aussi, que je veux jouer. Là, c'est une bonne question. Je vais faire une parenthèse. Là, c'est pour ça qu'il faut les parler. Je vais faire une parenthèse. Même jusqu'à aujourd'hui, là, quand tu vas en Afrique, là, c'est encore matriarcal. C'est une pratique à tradition ancestrale. Même les Haïtiens, entre les Haïtiens, là, oui. Matriarcal. Oui. Parce que là, quand tu vas dans une famille haïtienne, c'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est la femme qui se fait à manger, c'est la maison, ça appartient à elle. Je vais même aller plus loin. Tu peux parler sur leur père, ils vont le prendre mollo. Oui, mollo. Parle sur leur mère, bataille. Voilà. Alors, bataille. Que... Fille comme homme, hein, oui. Parle sur leur mère, bataille. Quand je dis le matriarcal est encore là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le matriarcal, parce que le matriarcal est encore là dans certaines traditions encore africaines ou bien. Oui, comme ça, c'est ceux qui, comme on dit, les Haïtiens aiment dire péjoriser en dehors, là. Oui. Les nègres en dehors, comme ils disent. Même dans la Caraïbe. Les nègres en dehors, là, comme ils disent, moun en dehors, comme on dit en bon créole, qu'ils aiment péjoriser. En passant, c'était les nègres marrons qui vivaient dans les forêts, là. Ouais. C'est eux qui se battaient pour nous dans le temps de laisser. Quand les noirs qui vivaient en ville, là, ont accepté d'être esclaves, ces gars-là n'ont jamais accepté. C'est eux qui se battaient pour nous. Puis regarde la réciprocité de gratitude qu'on leur donne maintenant aujourd'hui. Tout ça à cause de l'école qui est contrôlée par les Français, qu'on a foutu dehors. En tout cas, le matériel est encore là. Mais là, maintenant, tout le monde, c'est drôle. J'ai demandé à une femme à un moment donné, tu étais là quand on était à la faire retrouver. He was there, right? Non. He wasn't there? Oh. T'es d'ailleurs dans cette journée-là? Ah, bon sang. Une haïtienne, ok. Une chrétienne, est-ce qu'elle est chrétienne? Hein? Elle m'a même approuvé qu'elle ne lit même pas sa Bible. C'est un. Deux. Je disais, regarde ma chère, comment tu peux être chrétienne? Ou est-ce que dans la Bible,
la femme n'a pas vraiment d'importance à la femme. Chaque fois que Dieu veut donner des instructions à aller faire, c'est toujours à l'homme qu'elle donne, pas jamais à la femme. Moi, je n'ai pas vu ça encore. Quelqu'un me disait, peut-être que je peux me tromper, mais là, moi, je n'ai pas vu ça. Quelqu'un peut m'expliquer ça, Marie. S'il vous plaît, dites-le-moi. Bon, oui, Marie, c'est la seule où est-ce qu'on on parle pas mal d'elle, mais on ne donne pas trop d'éloges non plus. Ouais. Donc, tout ça, il dit, on a du père et du fils, mais ouais, la mère là-dedans. Ouais. On l'a retiré. Déjà en partant, la femme de Lot. Non, Lot. Quand le messager est venu, puis il y avait en Grèce, puis où est-ce qu'à Sodome, où est-ce que deux hommes homosexuels voulaient sodomiser. Et puis là, le gars a dit, prenez mes filles, elles sont à vous. En tant que père de famille, ton rôle est de protéger ta famille, ta progéniture. Et là, ça prouve que tu n'as pas trop d'éloge envers la femme, là. C'est ça que ça dit comme idéologie. Bref. Elle m'a répondu en disant, chez moi, je suis matriarcal, chez moi. Ok, mais tu vois pas que c'est en contradiction avec l'idéologie de la Bible? Tu vois pas que c'est en contradiction? Elle ne voulait pas me répondre. Tu vois, des gens qui sont bouchés d'esprit, bon. La dame a plus de 50 ans, donc à partir de 30 ans, ton idée est déjà faite. Donc, à 50 ans, c'est là que j'ai bloqué. Il y avait une madame qui était d'accord vraiment avec moi. Et elle ne connaît pas trop chose, mais ouais, c'était censé ce que je te disais. Et moi, je suis un gars, je gagne rien en disant ça, là. Je gagne rien. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai su que c'était matriarcal, là, ça m'a fait un choc. Je me dis, oh, c'est la femme qui décidait. Encore, parce que ça m'a toujours montré que non, la femme est sexuelle, ce genre de choses-là. Ça a été un choc, je ne vais pas vous mentir, ça a été un choc quand j'ai su ça, historiquement. Ça a été un choc. Et là, regarde, l'histoire parle, hein, qu'à un moment donné, que j'aime ou que j'aime pas, là, regarde. Il faut que j'accepte, là. La vérité, c'est la vérité. Mais il faut que tu précises quand tu dis la femme décidait. Parce que des fois, tout le monde dit, quand tu dis que la femme décidait, là, tous les points de vue, tu vois, de la civilisation, de l'affaire que la femme décidait, mais c'est pas. Non, ben, la femme avait un très beau rôle, elle avait des biens, elle avait même des biens. Oui. Elle avait possédé des terres. Oui. Là, maintenant, vous faites la comparaison avec dans les sociétés patriarches, où est-ce que la femme. C'est elle qui organisait la sécurité aussi. Ben, quand tu avais des armées, comment s'appelle cette armée-là qu'on combattu les Portugais, là. Ils les ont chassés, là. J'ai oublié le nom, je vous avais fait plus de recherches, parce qu'il y a plein de choses là que. Là, j'ai plein d'informations là. Et je vous dis, allez vérifier pour moi si je mens pas là, s'il vous plaît. Allez vérifier. Si je vous dis de me croire sur la même chose que la religion, je ne suis pas mieux. Allez vérifier, s'il vous plaît. Allez voir. Surtout les femmes là, je parle des femmes du soleil là, je vous dis ça. Allez vérifier, allez voir. Bon, il y en a qui vont pas y regarder. Bon. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour revenir à cet état? C'est pas possible. Bon, regarde, l'histoire est importante. Il y a un gars qui m'a dit quelque chose, il faut aller en Afrique aussi, ça je suis d'accord. D'aller sur le terrain, aller voir là-dessus, quand il m'a dit ça, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis là, c'est absolument vrai, je suis d'accord. Bon, d'accord, tu veux qu'on commence à financer ton billet là, tu vois. Où est-ce que je dois mettre 3 000 dollars de côté, sans compter plus, peut-être 1500 ou 1200 de plus comme argent de poste pour acheter quelques souvenirs, mais oui, pourquoi pas. C'est important, il faut sauver les enfants du soleil. Oui, c'est important. 3 000 pièces, c'est rien pour sauver les enfants du soleil. Bon, là-dessus, oui. Mais comme on dit, une chose à son temps, parce que les dirigeants qui auraient plus de pouvoir, les autres font rien, donc on ne peut pas trop compter sur eux. Moi, personnellement, comme Dr. Omar Joshua avait dit, et ça je suis d'accord, connaître l'histoire, avoir les informations historiques sur ton peuple ancestral est nécessaire, mais pas suffisant. Donc là-dessus, là, tout le monde est d'accord avec ça. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Qu'est-ce que tu es en train de contredire tout ce que tu viens de dire ou tu es en train d'affirmer tout ce que tu viens de dire? J'affirme ce que je viens de dire, c'est nécessaire. Non, nécessaire. D'avoir les informations est nécessaire parce que si tu ne la connais pas, pourquoi tu chercherais à changer pour ton peuple? Dans quel pays d'Afrique tu irais au Maroc? Dans quel pays d'Afrique tu irais au Maroc? Lequel? Bon, si je vais au Maroc, j'irai voir ceux qui me ressemblent le plus possible. Il y en a beaucoup. C'est eux que j'irai voir. J'irai pas côtoyer les 1006 là. Ou est-ce qu'un jour ils vont dire, hey, je suis avec toi mon frère, puis après ils me donnent un coup de poignard dans le dos. Là, ce qu'ils ont fait historiquement là, il n'y a pas grand chose qui a changé. Là. Alors c'est quel pays d'Afrique là où tu es? Je suis sûr d'aller voir mes semblables, ceux qui sont les plus foncés possibles. Oui, mais le Soudan. Bon, peut-être Soudan,
J'aurais commencé par Bénin, Togo, Ghana, en tant qu'Haïtien brest-combien, Rome d'Aomé, oui. Que même un Ghanéen m'a même dit là. Mais non, ça c'est Bénin, ça, mon ami, c'est la même chose. Togo, Ghana, là, c'est le même royaume. Ils l'ont juste divisé. C'est ça. Ça marche, hein. Il faut que je le donne. Les blancs, l'élite blanche est forte. Et il est fort, là. Mais non, je commencerai par là. Puis ensuite, ouais, Kemet, pourquoi pas Kemet, Kouch, même j'irai même plus loin parce que tout le monde parle de Kemet, hein, parce que à cause des blancs. Mais il fait pas, il sait très bien là que Kemet a pris sa connaissance des Kouch. On appelle Ethiopie, Uganda, Tanzanie, tout ça, toute la connaissance a commencé là. Et là, Kemet l'a repris, puis il a comme, comment je peux dire ça, innové. Ils ont pu s'améliorer. Donc il faut même aller plus loin, au Soudan, aller loin là. Il ne faut pas s'arrêter à Kemet là, parce que Kemet, oui, c'est la, comment on dit en anglais, it's the peak of the black civilization, c'est l'apogée. Il faut aller plus loin là, où est-ce qu'il a puisé ses sources, sa force pour être encore plus fort là. Tu penses que c'est sauvegardé tout ça? Moi je pense oui. Parce qu'il y a des preuves archéologiques, tu ne peux pas effacer la nature comme ça. Il va rester des preuves là, tu ne peux pas, impossible. Si ils existent aujourd'hui, qu'ils ne sont pas en mesure de changer le monde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'ils ne sont pas en mesure de changer le monde? Non. J'y crois pas à ça. Mais s'ils existent, ça, tu dis que ça existe encore? Si, là, avant de dire si, c'est pas une con... si n'est pas une affirmation, c'est je vais par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit que c'est impossible d'effacer la nature, ça signifie que ça existe. Donc si ça existe et qu'on est quand même dans cet état, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Où est l'erreur? Le problème, c'est comment je pourrais dire ça, la majorité d'entre nous, nous sommes ignorants. Bon, tout justement. On est ignorants. Comment est-ce que... Historiquement, on est illettré, on est ignorant. Vraiment ignorant, c'est même pas des blagues. Tout justement. Là, tu analyses le problème. Mm-hmm. On est conscient du problème. Mm-hmm. Maintenant, comment est-ce qu'on résout le problème? La solution du problème, c'est quoi? Bien dit, ça, parce que tu vois, hein. Parce que, pas pour interrompre, mais ça vient avec mon question aussi. À part du système matriarcal, comment on peut changer les problèmes de l'Amérique du Nord avec ça? Comme j'ai toujours dit, j'ai pas les solutions à tout. Mais moi j'ai toujours dit, j'invite hommes et femmes à se mettre ensemble à en parler. Ça, c'est hommes et femmes, ils vont en parler. Oui, on ne peut pas juste hommes en parler comme ça. Puis là, il faut l'appui des femmes aussi parce qu'on a besoin d'eux. Tout comme eux ont besoin de nous. Donc on a besoin de ces femmes-là même. Parce qu'il y a des choses que les femmes peuvent faire là que ça peut être. Parce qu'on ne va pas se mentir, ils ont contribué. Elles ont contribué. On ne peut pas nier les faits historiques. Donc, il faut que la femme en tant que telle là, ait son mot à dire quand même. Parce que, regarde, il faut qu'on en parle. Il y a peut-être des choses qu'ils sont capables de voir comme peut-être qu'on n'a pas vu. Puis peut-être eux, il y a des choses qu'ils n'ont pas vu que nous on voit, puis on trouve un terrain d'entente, on n'a pas le choix. Il faut. Moi j'ai toujours dit, un gars qui m'a posé la même question que vous m'avez posé, qui est une excellente question, je regarde. Il faut en discuter, si on pouvait s'asseoir sur la table, on discute avec nos femmes en tant que telles. Oui, mais ce sera quoi la base, le point commun? Est-ce que pour dire qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord? C'est quoi? C'est une table ronde, ensuite, par la table ronde, ça va nous ramener à l'ancestralité, ça va nous ramener à quelque chose de nouveau, ça va nous emmener à une nouvelle spiritualité, à une nouvelle solution. Se mettre ensemble, il faudrait qu'on aille quelque part. Et c'est sûr que, connaissant les Noirs, ça va diverger. Si on a 50, tu auras 50 directions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans les 50 directions, c'est sûr que tu vas trouver un terme commun. Ça, c'est sûr et certain. Je ne peux pas croire que ça ne pourrait pas en trouver. Il faudrait commencer. Comment est-ce qu'on veut, on peut accepter dans nos différences de se mettre d'accord? Comment est-ce qu'on fait ça? Même en étudiant l'histoire. Pourquoi est-ce que ça va nous mettre d'accord? Que oui, on se met d'accord, on va se souder, on va travailler dans la même direction. Moi, c'est qu'est-ce qu'un gars m'a dit, que je suis d'accord avec lui, il faudrait faire un organisme à but non lucratif. Il y en a des organismes à but non lucratif. Non, moi, je parle pour moi, là. Où est-ce que, quand j'ai un but non lucratif, où est-ce qu'on fait une école pour les jeunes? Parce que moi, on s'entend, là, on parle de réalité d'aujourd'hui, donc, pas vrai? On part avec les jeunes. On va concentrer sur les jeunes, avant qu'ils soient empoisonnés mentalement comme nous, on l'a été.
on doit se faire comme un genre d'école pour eux, les samedis. 2 heures de cours d'histoire en tant que tel chaque samedi. Il va y avoir plusieurs professeurs d'histoire où est-ce qu'on va se auto-subventionner entre nous. On demande des dons. Puis là, on peut bien entendu, il faut qu'on ait des comptes à rendre aussi. Parce que c'est eux qui mettent leur argent dedans. Parce que si on attend le gouvernement pour subventionner, on regarde la petite maison d'Haïti. Regarde Appel Retrouvé. Quand c'est la main qui te nourrit, c'est lui qui te dicte. Même si tu te donnes des dons, c'est lui qui va te dicter, sinon c'est fini. Donc, on est des gros consommateurs. Si on parle de pouvoir d'achat, c'est pas ça qu'on l'a. On l'a le pouvoir d'achat parce qu'on est capable de consommer beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas un petit don là, de 1$, 5$ par semaine. Chaque personne ne peut pas donner. Il y a ça aussi. Même ces jeunes-là, il faudrait que les parents soient d'accord avec toi pour qu'ils puissent te confier. Ça, c'est un autre obstacle encore parce qu'il y en a qui croient encore à l'église. Mm-hmm. Parce que si on voit. Qu'est-ce que tu dis, c'est une décision. C'est-à-dire qu'on doit faire une discussion en premier. Mm-hmm. Oui, non, mais là, vous m'avez demandé mon avis. Oui, vous m'avez demandé mon avis. Là, ça ne veut pas dire que je vais l'imposer. Je ne sais pas si je vais l'imposer. Je l'ai bien dit. Hommes et femmes ont tout discuté. Oui, mais le problème, c'est que, comme moi, j'ai différents programmes de communauté noire. On est noir, on discute. Après ça, on ne fait rien. Souvent, beaucoup d'années, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant avec matriarcat? Parce que matriarcat, on va être capable de voir certaines choses que peut-être, comme j'ai toujours dit, donc s'il y a des choses qu'il y a dans ton ADN, ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que l'autre fait. Là. Dans ton ADN, là, l'autre fait mieux que toi, il peut t'apprendre à le faire. C'est ça. C'est comme ça que c'est l'ordre naturel des choses. Pour que l'autre puisse s'améliorer, pour être mieux, puis pour la société aille de l'avant. Il faut se mettre à la disposition de l'autre pour accepter d'apprendre. Exactement. Nous, on appelle ça soumission, mais bon, c'est un terme abrahamique que tu veux. Je ne pas la soumission parce que ça implique l'esclavage aussi, soumission. Donc, c'est pour ça que je ne veux même pas le dire. Non, c'est plus que ça tu implique, t'en sers. Ça implique l'esclavage. Non, c'est juste que soumission. Tu t'en sers de façon péjorative. Il faut regarder, une fois de plus, toi qui es étymologique, il faut regarder soumission. Mm-hmm. Étymologiquement parlant, ça veut dire quoi? Sous la mission de. Je vais regarder sur Google vraiment. Alors, comment sous la mission de. Ça n'a rien de péjoratif. Parce que tu es sous la mission de. Parce que dans l'univers, tu es sous sa mission. L'univers est dans un ordre. L'univers a une rotation, mm-hmm. un cycle. Toi, tu es sous la mission de l'univers. Tu es soumis. Tu dois manger, tu dois aller à la toilette, tu dois dormir. Tu dois. Alors, la soumission, mm-hmm. tu vois, le monde. Comme c'est une mauvaise interprétation. Le monde automatiquement soumission, il va l'esclavage. Justement, l'esclavage comprend ça. Oui, non, mais même, c'est là que je dis, parce qu'ils ont utilisé les mots. Qui fait que. Là, il faut étudier l'historique de l'histoire de ce mot-là. C'est très important pour regarder. La soumission n'a aucun rapport avec l'être humain. La nature est soumise. La nature est soumise. Mais tu sais pourquoi je ne peux pas dire que la nature est soumise? Parce que je dirais que tout dépend, l'un dépend de l'autre. Mais c'est soumission. C'est comme si je dépends de toi, puis toi tu dépends de moi, l'un n'est pas soumis à l'autre. Mais parce qu'on dépend de chacun d'entre nous. On a donné l'étymologie du mot là. Ouais, de quoi? De soumission. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure. Soumission de dépendre de l'autre. Voilà, un dépend de. Exactement. À la nature, c'est un cycle. Tu vas voir. Tu vois, j'ai encore la conception abrahamique. Tu vois comment ce virus-là est terrible. C'est comme une plante. C'est pas soumission à l'eau, au soleil. Au soleil, oui, il y a besoin du soleil. Ouais. C'est la conception abrahamique. Il y a besoin du vent. Il y a besoin du vent. Et puis les herbivores ont besoin de cette plante-là pour pouvoir nourrir. Et comment on dit soumission à l'araméen? Islam. Islam. Et le mot des voilà. Oh, le mot islam. Comment il a dit en araméen? Ou en arabe. En araméen, tu vois, le lit, tu vois, araméen. Tu vois, dans notre Dieu, c'est juste qu'on partit ça. Oui, mais contrairement. Oui, mais la langue araméique, aramée vient de l'Afrique. Quand on regarde bien, oui. Mais quand tu penses, oui parce qu'il y a plein de mots là qui viennent de Kémen. Oui, mais comme le mot Amen. Voilà. En fait, un exemple parfait là. En fait, toutes les langues viennent d'Afrique. Oui. Toutes les langues sont en état. Toutes les langues, alors, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une simple information. Tu vois, quand les chrétiens, puis les musulmans,
ou est-ce que puis les juifs qui aiment parler mal parce que tu as été matriarcalisé et qui aiment parler mal de l'Égypte en tant que tel, quand vous dites amen en araméen, qui est un mot araméen bien entendu, mais les chrétiens le répètent, puis comme ils disent en soi-disant en arabe, parce que c'est un mauvais terme, parce qu'arabe veut dire amin. Peuple du désert, ils disent amin, et étymologiquement vient d'un dieu qui est mythique, qui dit amènera. Donc quand vous dites ça, vous invoquez un dieu qui est mythique. Donc allez voir ce jugement, s'il vous plaît. Allez voir. Ne me critiquez pas là. Allez regarder par vous-même, s'il vous plaît. Allez. Et pour conclure, Jean a bien dit que la solution maintenant, c'est qu'on doit s'asseoir ensemble. Mes femmes, je viens de dire ma femme aussi. Et venir avec une nouvelle formule, une nouvelle chose pour pouvoir pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé, parce qu'on doit apprendre notre passé. Ouais. Le passé est là. Si tu passes quelque part et qu'il y a un trou, tu mets ton pied. Demain matin. Tu ne vas pas repasser là, non. Demain matin, tu vas passer là et dire ah, il y avait un trou. Je vais passer à côté. Celui qui a oublié qu'il y avait un trou, il va se remettre dans le pied. Exactement. Alors, il faut que. On s'assoit ensemble, hommes et femmes, et on vient à un point d'entente. Mm-hmm. Et là, on va pouvoir vraiment là, avancer dans le futur. Mm-hmm. Tu vois, tout en ayant nos affaires ancestrales, mais on doit, comme je dis là, le modifier. Non, sur toi, on aurait modifié, oui, je suis d'accord. On aurait modifié. Parce qu'il y a des choses qui s'est passées qu'on n'avait peut-être pas compris. Mais c'est la carrière. On doit ça, non, si on pose la question maintenant, vraiment, ça c'est une bonne question. Maintenant, là, il faut dire, OK, il y a quelque chose qu'on a fait. Il faudrait modifier certaines choses vraiment. Parce qu'il y a certaines erreurs qu'on a faites. Parce que quand on dit ancestralité, vraiment, même dans leur ancestral, il y a certaines choses qui ont vu que, quand on, par exemple, voit ce qu'à l'époque, ici, ils disaient, bon, tout le monde pouvait coucher avec tout le monde. C'est pas grave. C'est pas vrai. À cette époque, oui, dans l'ancestralité, oui. Parce que le mariage, là, ça ne date pas d'hier. Vous ne pensez pas que c'est la religion abrahamique qui est venue avec ça. C'était déjà là, OK? C'était déjà là. Qu'est-ce qu'a fait, là? En passant, le mariage, c'est l'homme qui est venu avec ça. Et les femmes étaient d'accord. Parce que quand tu penses que tes grand-mères, puis tu te rends compte que tu n'es pas grand-mère, c'est dur ça. C'est pour ça qu'ils ont mis le mariage. Le mariage te dit que tu n'as plus le droit d'aller voir ailleurs en tant que femme. Tu restes, tu dois être fidèle à l'homme. Parce que quand il y avait trop de gars qui prenaient soin des enfants qui n'étaient pas pour eux. Puis là, leur mère, les autres étaient toutes contentes. Et je suis grand-mère, puis ils se rendent compte après, en retard à 75, 80 ans, ben là, je ne suis pas grand-mère, en fait. C'est les femmes qui sont là que ça veut. Non, le mariage, c'est l'homme. C'est l'homme. Par contre, c'est la femme qui est venue avec le politique. L'homme a droit à quatre femmes. Ouais. Mais ça, c'était temporaire. C'était juste pour aider la femme. Attention, on s'entend. C'est la femme qui est venue avec ça. Donc, allez vérifier, s'il vous plaît, si je mens. Allez vérifier, s'il vous plaît. Allez vérifier. Je remercie Jean pour le temps que tu as pris pour venir nous expliquer la spiritualité africaine. Tu vois, quand la définition du mot esprit veut dire souffle. Spiritualité, oui. Souffle. Donc, si vous ne parlez pas de souffle, arrêtez de parler de spiritualité, s'il vous plaît. Ça. Bah, souvent, le monde pense que la spiritualité veut dire posséder de cet esprit, puis de tomber à terre à l'église, ou bien dans le vaudou. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité veut dire souffle. Et quelqu'un de spirituel, comme Jean dit toujours, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui raisonne. En harmonie avec la nature. Quand tu es en harmonie avec la nature, tu réfléchis aussi, tu analyses. Donc, c'est un scientifique, en fait, contre. Voilà. Alors, merci, mes frères et sœurs. À la semaine prochaine.